Bonjour, je me présente, Mehru Zougar Aïcha, doctorante en co-tutelle entre l'université Oran I, Ahmed Ben Bella en Algérie, et l'université d'Aix-Marseille. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon projet de thèse qui s'intitule Études de la biodiversité et du potentiel biotechnologique des micro-organismes extrémophiles de la zone humide Chott-Chelgi. Sous la direction de Madame Anne Chenui et Monsieur Lamara Sidi Ahmed Chaouki. Actuellement, selon le rapport de l'ONU de 2020, les zones humides sont de plus en plus dégradées et menacées. Certains les voient comme des nids de moustiques ou bien comme un frein pour l'activité humaine, alors que ces zones humides représentent des sites d'hivernage, abritent des organismes endémiques et parfois menacés. Actuellement, plus que 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées suite à la disparition de plus que la moitié des zones humides. Dans notre étude, on s'intéresse à la deuxième plus grande zone humide en Afrique, qui est Chott-Chelgi, qui fait 855 500 hectares. Cette vaste dépression géographique est comprise entre l'Atlas thélien au nord et l'Atlas saharien au sud. Cette vaste dépression est classée comme zone protégée par la Convention Ramsar en 2001. Cette zone humide est alimentée principalement par les eaux de pluie, mais aussi par les sources thermales. Elle contient des lacs salés où la salinité atteint les 80 grammes par litre, mais également des lacs d'eau saumâtre et d'eau douce. Les objectifs de notre étude sont menés après échantillonnage mensuel d'une durée d'un an au niveau de sept sites de ce Chott-Chelgi. Le premier objectif est d'étudier la qualité physico-chimique de l'eau de cette zone humide par analyse de 22 paramètres physico-chimiques. Température, salinité, oxygène dissous, mais également le cycle de l'azote, du phosphore et certains éléments métalliques comme le fer, le zinc, le cuivre, le cadmium et le plomb. Le deuxième objectif de cette thèse est de faire un dénombrement de la biomasse des micro-organismes extrémophiles, à citer les alcalophiles, les thermophiles et les halophiles. Leur isolement et purification. Le troisième objectif, c'est d'étudier la biodiversité des procaryotes et des eucaryotes par métabarcoding, mais également identification des souches de micro-organismes isolés par séquençage de leur ADN ribosomique 16S et 18S. Notre quatrième objectif est de faire l'extraction de biomolécules d'intérêt à partir des micro-organismes isolés et purifiés et leur valorisation. Le tout est pour caractériser et valoriser la biodiversité du Chott-Chelgi. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous présenter mes résultats l'année prochaine en présentiel.